Salut auditeurs géniaux, bienvenue dans le nouvel épisode de l'histoire changeante de notre planète. Je suis Chris et aujourd'hui nous embarquons pour un aventure fiscale en fond d'explore. Comme l'article avait lu et ce que cela signifie pour nous tous. Alors vous savez, l'article est comme le congélateur de notre planète. Mais devinez quoi? La température dans ce gigantesque congélateur augmente et ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un peu comme lorsque vous augmentez accidentellement le chauffage de votre cabine igloo. D'accord, parlant de l'impact sur l'ours polaire, vous connaissez ce gros ours moulu que amène la glace à bien. Imaginez si le maison la glace fondait comme de la glace par une journée chaude. Cela signifie que le ours polaire devait nager davantage. Et ils ne sont pas tous le nageur olympique, vous savez. Maintenant, faisons connaissance avec le merveille volant le Eastern Arctic. Ces oiseaux géniaux voyageant de l'Arctique à l'Antarctique et revenir. Vous pouvez imaginer voler aussi loin. Nous allons découvrir comme le change climat rend leur voyage à pic un plus difficile. Mais étant il y a plus dans l'histoire, parlons maintenant de l'augmentation du niveau de la mer. Imaginez que votre plage préférée rétrécit. Nous allons découvrir pour cela ce produit et ce que nous pouvons faire pour aider à maintenir nos plages sous la nation. Il est temps pour un peu de magie scientifique explorant la gigantesque calotte glaciaire au Groenland. C'est comme un cap de super-héros fait de glace. Que se passe-t-il lorsque ce cap glacé commence à changer de décrivant le mystère glace avec l'aide de quel scientifique super cool. Bien exploré, enfilez vos bottes de neige et partons pour aventure avec le caribou. C'est un grand animal semblable au renard dans l'Arctique et nous décrivons comme le l'air vie change avec le temps plus chaud. C'est un peu comme un grand jeu, un cache-cache dans la neige. Maintenant parlons des plantes et des fleurs géniales qui vivent là-haut. Elles sont comme les super-héros du froid. Mais avec augmentation et température, on dirait qu'elles ont un peu trop chaud dans le costume de super-héros. Certains d'entre eux pourraient avoir du mal à la survivre un peu lorsque votre bonhomme de neige commence à fondre au printemps. Mais hier, ce n'est pas seulement une histoire du ours polaire et des plantes. Nous, le humain, faisons aussi partie de cette histoire. Imaginez si vos jeux divers préfèrent comme la luge à la construction de forts de neige. Devenant rare parce qu'il n'y a pas assez de neige, ce serait un peu triste, non? De plus, le niveau de la mer monte un peu comme lorsque vous remplissez trop votre baignoire de l'eau. C'est là causer des problèmes
pour la personne vivant près de côte. Donc, non, ce n'est pas seulement une question d'éthique. C'est comme un grand puzzle où tout est connecté. Mais étant ce n'est pas tout sombre, nous pouvons aussi être des héros. Nous pouvons utiliser moins d'énergie comme éteindre les lumières lorsque nous quittons la piste. C'est un peu comme donner une pause à la planète et contribuer à l'effort de l'Arctique. Tout d'abord, parlons d'énergie. Vous savez comme la puissance que nous utilisons pour tout, nous pouvons utiliser une énergie propre, comme celle du soleil et du vent. C'est un peu comme avoir une source d'énergie de super-héros qui ne fait pas de mal à l'éthique. Et voici une astuce économisée de l'énergie. Éteignez la lumière lorsque vous ne l'utilisez pas, tout comme éteignez vos jeux vidéo à une fois que vous avez terminé. C'est une manière super facile d'aider. Maintenant, parlons de bâtiments. Nous pouvons construire la maison de bâtiment que notre chaud sans utiliser de trop d'énergie. C'est un peu comme construire des cabanes confortables sans utiliser de trop couverture intelligente et confortable. Parlons de plantes. Nous pouvons planter des plantes arctiques spéciales que amènent le froid. C'est un peu comme offrir à l'Arctique un jardin où le peu jouer que n'aimait pas en fait du jardin. Le ours polaire et l'animal de l'Arctique ont également besoin de notre aide. Soyons gentils avec de ne fait pas de choisir qui pourrait le blesser. C'est un peu comme être l'ami super-héros dans le boisson. Alerte plastique. Utilise trop de plastique, c'est comme lancer de jouets partout. Pas pour nous. Alors utilisons moins de plastique et apporte pour être nos propres bouteilles d'eau. C'est un peu comme avoir des bouteilles d'eau réutilisables de super-héros. La mer de l'Arctique devant rester propre tout comme votre chambre. Ne jetez pas de déchets partout. C'est un peu comme garder votre chambre en ordre pour pouvoir trouver vos jouets facilement. Des mères propres sont de mères heureuses. Écoutez bien, les gens qui vivent dans l'Arctique et savent beaucoup, alors écoutons et apprendons Dieu. C'est un peu comme lorsque votre ami connaît tout l'astuce cool dans votre jeu préféré. Et voici une mission super amusante. Aider les plantes de l'Arctique en poussant plantes d'arbres et de fleurs pour rendre l'Arctique heureux. C'est un peu comme donner à l'Arctique une transformation colorée. Enfin, mais non de wonder, parlez en à tout le monde. Partage ce que vous savez sur l'Arctique et pourquoi c'est spécial. C'est un peu comme rencontrer
avoir l'ami. Le jeu le plus cool que vous ayez découvert. Ah bien, l'assistante de l'article, c'est la fin de notre podcast super cool aujourd'hui. N'oubliez pas même de petits super-héros comme ne pouvant accomplir de grandes choses pour sauver l'Arctique et notre planète géniale. Alors, mes amis géniaux, notre aventure glaciale aujourd'hui nous a appris que même l'Arctique a besoin d'un peu d'amour supplémentaire. Soyons cool et prenons soin de notre planète, tout comme nous prenons soin de nos jouets préférés. Merci de nous avoir rejoints pour l'histoire changeante de notre planète. Jusqu'à la prochaine fois, restez cool et gardez le sourire.